t'a donné une sorcellerie? C'est ma grand-mère, tante Marie. Oui. La voilà. Elle a fait comment? Elle allait payer à checker et puis poisson. Et puis après, elle a payé gros poisson pour venir me donner. Vous aussi, vous aimez manger, vous là? C'est la fin, non? Tu vas dire non? Et il dit, mais plus précis, cours, poisson! Sa grand-mère, non? Vous avez dit, ça n'a pas dit non? Pourquoi elle est mangée? La nuit, elle est venue me chercher. Et puis elle est partie dans le camp de sorcellerie. Et puis elle m'a donné vin de l'homme pour manger. Et puis elle m'a donné sang yabou. Et puis quand elle a vu sang, elle dit de Dieu, ma petite c'est Yasso, il est Dieu. Et puis elle dit de Dieu, confie mon nom, il est Dieu. Et puis elle dit de Dieu, les deux enfants de ma grand-mère. Ma tante, il est tué. Ils ont pas parti les noms. Tu as fait comment? Pour les tuer, tu fais comment pour les tuer? Je suis devenu oiseau. Et puis je suis parti dans la maison. Et puis je suis arrivé sur la terre. Et puis je suis des serpents. Et puis je suis rentré dans la maison. Quand je suis rentré dans la maison, et puis je suis devenu l'homme. Et puis appelé les. L'homme, trois fois, et puis l'homme est sorti, et puis il a mené l'homme dans le corps de sorcellerie, et puis quand on a mangé, et puis après la tête, et puis le cœur, et puis quand on a fini de manger, les deux enfants de ma tante, ils ont pas dit leur nom, ils sont encore bébés, et Dieu aime l'enfant. Et puis, là, j'ai déjà couché, il a tué. Et puis, elle a tué, au fond de Colette, ils ont sans pas dit son nom. L'enfant, on a déjà couché, puis il a tué. Et puis, quand il a tué, elle a dit de gâter la vie de mes parents. Il a gâté comme elle de maman. Il a gâté l'argent de maman. Il a gâté la voix de ma maman et puis elle a mis maladie dans le corps de ma maman. Et puis encore, il rentre dans le corps de le mari de ma maman. Tu rentres dans son corps? Oui. Comment tu fais? La nuit, s'il dort, il rentre sur son dos, puis il rentre. Dans son corps? Oui, et puis quand je rentre, il commence à frapper ma maman. Attends, faut m'expliquer comment tu rentres dans son corps. La nuit, s'il dort. Hein? Et puis son dos, là, c'est comme ça. Et puis moi, il vient rentrer dans son dos là maintenant. Tu rentres dans son dos. Mmh. Mmh. Puis tu rentres dans son corps. Mmh. Et qu'est-ce que tu fais dans le corps? Dans le corps là. C'est... Il mélange sa tête, la tête, il devient bête. Il frappe ta maman. Et puis frappe ta maman. Ta maman est où? Elle a Abidjan. Puis frappe ta maman. Oui. Après, tu sors de son corps. Quand son n'est pas sorti de l'écran de maman, tant qu'il n'a pas frappé, hein, le sang de ta maman. My God. Il doit frapper ta maman quand la fait saigner. La blesse. Oui. Et toi, tu gagnes quoi quand tu fais ça? Mais c'est ta maman, non? Quand tu la vois, le monsieur en train de la frapper, et puis elle sait, toi, tu ressens quoi dans ton cœur? Vous riez. Tu as vu, gnéné, tu as donné à l'enfant. Gnéné. Tu veux être délivré? Tu veux délivrer? Je te demande, tu veux délivrer? De quoi? Il y en a qu'à t'enlever quoi? Il y en a qu'à enlever quoi? Elle dit quoi? D'enlever sorcellerie. D'enlever sorcellerie. Mais pourquoi tu veux donner connerie à l'enfant? Elle dit quoi?
Pourquoi t'as donné sorcellerie à l'enfant? Hein, c'est bon, c'est bon. C'est une bonne chose. Et c'est une bonne chose. Demande. On est gaga de bébé. On est gaga. On est gaga de bébé. Ma sœur, la mienne, elle est au bout. Madame, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une bonne chose? Ce n'est pas bon. Ok. Donc tu veux quoi? Elle comprend? Tu comprends? On est gaga de bébé. Tu as compris bien. Viens mettre feu dans ton cerveau là, tu vas comprendre bien. Tu comprends pas français, tu vas comprendre tout de suite. Tu comprends pas? Et te mets à terre, chute-tu. C'est ce que tu veux. Tu comprends pas français? Tu vas comprendre français. Quand tu as couru, tu as des déshabillé, tu vas comprendre français. Il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas. Non, il ne peut pas. On n'est pas en sorcellerie là. On peut sentir tout le monde. Moi, je suis votre calmeur. Je suis votre potin, moi. Néné qui donne à l'enfant. C'est choquant. L'enfant rentre dans le corps d'un monsieur, puis frappe sa maman. C'est quand on voit le sang, on est content. Néné. Les autres prennent la chance de donner aux gens. Une grande mère doit donner bonne chose à l'enfant. C'est sorcier qui va enseigner. De là, faut parler. Je vais te donner cancer du cerveau, tu chutes. Là, tu es déshabillé, tu es même nu, tu suis. Tu es forte, non? Hey. Tu es forte, non? Tu as pouvoir, non? Maintenant, elle n'a pas de pouvoir. Elle te met comme. Elle dit quoi? Vous voyez les limites? Stop. Lève-toi. Elle comprend, hein? Encore du bois, c'est qu'elle vient comme avant. Ici, encore du bois. Tout le monde? Elle fait semblant. Tu es forte, non? Hein? Tu es forte, c'est ça? On va comparer les deux forces. Arrête tes conneries. Mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. Tu donnes le ciel à qui tu m'as dit de façon. Oui, c'est la grande mère. Il a fait. Vous avez toujours fait. Il reste ce que tu as fait. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Va lever. On va français. Faut t'asseoir. Bien fait. Viens attaché. Tu vas aller mourir. Comme ça, les. Tu vas tomber malade, et puis les trucs vont sonner dans ton corps pendant 6 mois comme ça. Là, celui qui fait tes funérailles lui-même, il meurt. Tu vas faire tes te jeter comme chien pour lui. Je ne peux pas faire ça. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas. Ok, non, ferme ta bouche, stop. Bouche B. C'est des conneries, vous donnez, c'est choquant, vous terrorisez les gens, vous détruisez, les gens sont en paix dans la maison, vous voulez cacher la vie des gens, pour rien, il n'y a pas de raison. Il n'y a qu'à te délivrer, Je te fais délivrance, tu vas comprendre. Tu vas quitter ici là, c'est manière que tu as commencé à manger dans ta chair, c'est là que tu plais, tu glisses. Vous voyez ça? Vous savez donner plus de gens.
tu dois être délivré. Toi aussi, tu vas rentrer dans le corps des gens. Il y a quoi ça? On t'envoie, tu dis pas non. Si je dis non, on va me tuer. Hein? Oui. T'as peur de mourir, toi tu tues les gens. Et toi tu tues les gens. Oui. Hein? Viens ici. Tu veux changer, mets-toi ici. Tu as pouvoir, non? Oui. Ah, il dit oui. Tu as pouvoir. Oui. Bon, faut me taper. Faut me fesser en société. Pourquoi? Hein, qu'est-ce que tu fais? Tu as de délivrer. Oui. Tu es sûr? Oui. Tu sais qu'il y a pouvoir. Oui. Il y a pouvoir. Sans quoi, allez, quitte. Allez. Allez. Lâche-le. Sors. Quitte son corps. Allez, quitte. Quitte. Quitte! Quitte! Au nom de Jésus, quitte! Quitte son corps, au nom de Jésus. J'ai détruit ta présence dans ce corps. Esprit de la sorcellerie. Quitte son corps. Va! Va-t'en! 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 Feu! Le feu consume tes œuvres. Consume tes œuvres. Dans ce corps, le feu, consume tes œuvres, le feu, le feu, le feu. En réalité, il y a un esprit en lui qu'on appelle l'esprit de la sorcellerie. Or, quand il finit de faire des aveux, qu'il a parlé, que l'esprit n'a pas quitté son corps, il demeure encore sorcier, malgré les aveux. C'est pour cela que les gens n'arrivent pas à délivrer les sorciers dans les villages. Tu es sorcier, il dit oui, parle, il dit tout, tout, tout. Et puis demain, vous constatez, il replonge encore dans la même chose, vous êtes étonné. Il n'a pas été débarrassé de ce démon qui habite son corps. Vous avez compris que le petit peut sortir de son corps, aller même entrer dans le corps d'un être humain réveillé. Parce que c'est un esprit qui est en lui qui le manipule. C'est la possession démoniaque. Il est possédé par un esprit qui contrôle sa vie. Il n'a plus de volonté. Or, quand vous le débarrassez de ce démon, c'est fini. Il est lui-même délivré. Ses pensées ne sont pas contrôlées par des pensées négatives. Lâche-le. Lâche-le. Or, dans la matière de sorcellerie, les enfants aiment bien ça parce qu'ils découvrent notre pouvoir. Or, ils prennent ça comme un jeu, surtout en matière de sorcellerie. C'est ça qu'on les envoie sur le terrain. Et ils ne ratent pas leur mission. Ils découvrent une autre force, donc ils jouent. Les femmes, pourquoi? Parce qu'en réalité, excusez-moi, c'est une vérité. La femme, elle n'est pas née pour avoir le pouvoir. C'est une vérité. N'est-ce pas? Qu'elle découvre qu'elle est sorcière à pouvoir. Qu'ils a dit, elle peut manger son nez. C'est fini. Quelque coup qu'elle a une force en matière de sorcellerie des femmes, et puis les enfants sont très dangereux. C'est pour ça qu'il y a une dame contrôle une confrérie, mais c'est grave. Sans pardon. Remarquez la plupart des femmes qui sont chefs de gang dans un groupe de bandits, elles sont très dangereuses. Quand vous voyez les enfants soldats, quand vous voyez les enfants, c'est les plus dangereux. Donc un enfant dans un truc comme ça, il est dangereux. Lâche-le, 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 lâche-le. Quitte son corps. Lâche-le. Je maudis ta présence dans ce corps. Je sens un démon dans le vent de vous. Kabaka, c'est toi, sorcellerie. Pourquoi t'as eu le projet? Tu t'as donné accès au diable. Il y a quoi? Ta grande est venue chez toi, pourquoi? Tu as fait quoi? Comment? Allez! Allez! Au nom de Jésus! Au nom de Jésus, je vais la puissance de Jésus. La puissance de Jésus.
la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Lâchez-la. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. La puissance de Dieu. La puissance de Jésus. La puissance de Dieu. La puissance de Jésus. La puissance de Dieu. Et libère maintenant. Oui, c'est ça. Elle n'y est non. Viens de ça, c'est elle non. Viens de la frappe. Elle a fait le vomi. Elle a vomi non. Il a appelé, il a appelé, il dit non, non, non. Eh, il faut laisser là-bas. Il faut pas mettre le vomi ici non. C'est de ça là maintenant. Occupez-vous là du service. Dis à quelqu'un, c'est le jour de ta délivrance. C'est le jour de ta délivrance. Vous pouvez pas faire grâce à Dieu. Il y a des gens dans ce qui ne sont pas dedans. Tant qu'ils n'ont pas la foi. Dis à quelqu'un, c'est le jour de ta délivrance. C'est le jour de ta délivrance. Dis, c'est le jour de ma délivrance. 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 Qui croit ça? Amen. Jésus vous délivre aujourd'hui. Amen. Si vous êtes chargé, fatigué, venez à moi, je vous donnerai du repos. Amen. La puissance de Jésus-Christ te libère. Et sa puissance te guérit maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Elle a été délivrée ici. Mais elle a fait des choses qui t'ont permis. Le royaume de la sorcellerie est revenu à l'attaque. Et pour venir chier ciel. La puissance de Jésus-Christ te libère. Ah ouais, la délivrance pas gagnante. Tu y es combien? Je suis par 7. C'est pas 73 personnes. 73 personnes. Elle connaît? Non, elle ne va pas dire pas. Moi, j'ai habité à ça. C'est moi qui ai la fatigué. Tu as quel âge? Il y a 17 ans. Nous, quand on regarde ça là, si. Non, ça. Monsieur, vous pouvez nous aider. Pardon, vous nous aider, pardon. Depuis 96, elle a 19 ans. Elle a 19 ans. Tu as coupé combien de choses? 2. Là, t'as mangé. Comment tu fais pour tuer les gens? Tu te transformes à Lyon. Tu fais comment? Et le balai, tu as mis tes dents là. C'est pour ça qu'il revient là-dessus. Tu rentres dans la chambre des gens. Il y a un balai mystique en toi. Tu en es en bas de ton sexe. Tu parles, puis âme sort. C'est comment tu tues? Combien? Ah non. Là, il y a mon adresse maintenant. Dieu m'a fabriqué à côté. Amen. Vous savez, quand je viens pas au programme. Il va venir, il est reculé. Quand je vais venir, puis je recule. À 5 heures, je vais venir, je vais reculer. C'est qu'il ne maîtrise pas encore le terrain. Comment est-ce que oh, je dois maîtriser le terrain. Amen. Si je dis bam, c'est qu'il maîtrise le terrain. C'est comme l'avion, ouais, l'avion. Là. Avant le décollage, c'est que le pilote est rassuré, sûr, il n'aura pas de problème. On fait tout en œuvre. C'est ça que notre ministère, c'est pas comme les autres ministères. Il peut venir donner une révélation. Notre ministère là, nous on ne fait que ça. Il peut donner un rendez-vous, je ne sais pas respecter. Il peut dire que non, le prophète n'a pas respecté le rendez-vous. Non, je suis terrain.
où ton âme est rentrée, où c'est parti, je dois tout voir s'en va de venir. Voilà, c'est parce qu'il a gagné une victoire là-bas, tout le monde est ici. Elle a balayé dedans. Gaga. Comment ça fait? Elle n'a pas de dents. Mais c'est toi qui es gars. Il est garçon, c'est ça? On s'en souvient. On va coucher les gens. Comment tu fais? Un homme. Tu fais quoi? La femme. Comment tu fais? Il y a un gars, monsieur, dans la zone de Fresco. Tu le vois. Il est l'une laideur, pas possible. Toi-même, tu sais que lui, là, c'est un démon. Il ne se marie pas, hein. Quand on le voit, non. Mais la nuit, dès qu'il te regarde comme ça, dès qu'il a ton image, la nuit, il te visite. Non, lui, il n'a pas besoin de dire, s'il te plaît, tu allais dire non, tu es vilain. T'as cassé son cou. Tu n'es pas là où on met parole. Il te regarde, t'es fixe. Dès que vous regardez, c'est quoi ça? La nuit, il est dans ta chambre. Il finit avec toi propre de partir. Donc, dans le village qu'on a pris, il a commencé à expliquer les choses. Les gens sont nerveux, non? Lui, il a commencé à compter une histoire, une fille. Père! Elle a commencé à pleurer. Quand la fille dormait, et puis un moment, elle a constaté qu'elle avait porté, elle s'habillait avec son dessous. Elle constate que le dessous a levé. Oui. Et le dessous est couché là. Et puis elle quand elle se révèle, elle a su qu'on l'a abusé, on l'a abusé d'elle. Donc, elle pensait que quelqu'un qu'elle avait violé. Oh, la chambre est fermée. Quand le monsieur est arrivé, c'est ça, la fille a fondra là. Et puis c'est trop vrai. Je vais s'en souvenir. Non, toi, tu es même gamme que moi. Gamme. Tu vas te montrer gamme la tête. Tu es même gamme. Elles ont se ressemblent. Ah! La nuit prend quête. Dans ta chambre. Il n'y a même pas bonjour, bonsoir. Non, il n'y a pas le temps de dire bonjour. Direct. Quand il finit, ça va. Souvent même ton mari, là, il le chiffre un peu. Non! Ton mari, elle est. Et puis la bise de toi, il s'en va. Ça, on l'appelle Marie-Esprit. C'est une réalité. Les esprits peuvent entrer dans votre maison et abuser de vous. Amen. C'est ça qui est moi de dormir. Prenez le psaume 4, verset 9. Je me couche et je m'endors en paix. Car toi, Éternel, tu me donnes la sécurité de ma demeure. Amen. Mais ça, c'est important. Alléluia. Amen. C'est très important. Donc tu as couché combien de femmes? Encore 5. Tu as couché les femmes. Et tu gardes leur vie. Donc tu as dit qui? C'est comment? Comment ça vient? Comment ça vient? Comment ça vient? Je te demande, non? Tu as dit qui? Tu fais comment? Hein? Parle fort. Oui, tu pries, fais comment pour voir qui sort? Tu dis quoi? Yeah.
Mamma mia. Mamma mia. C'est italien. Mamma mia. Comment tu fais? Comme ça. Hein? Droite. Ça soit coin. À l'attaque. Tu t'es couché, tu vois que quelqu'un est en train de t'embrasser dans le rêve. C'est que vous vivez dans le rêve. Moi, je fais pas une chose comme ça. Non. Si vous vivez un rêve, vous faites l'amour et des rapports dans le rêve, c'est de la sorcellerie. Il n'y a pas mari de nuit. C'est un sorcier qui se déguise et qui vient abuser de toi dans le rêve. Il abuse. Donc ceux qui disent mari de nuit, quand j'écoute, souvent je mets sur les ministères, je regarde un peu le ministère des gens qui délivrent des gens. Ils ont échoué, ils ne connaissent pas. Ils appellent qu'il n'y a pas un démon spécial qui est mari de nuit. Or, on n'appelle pas mari de nuit. Il faut que ce n'est pas dans la nuit qu'il abuse seulement. Il peut même faire la sieste. Or, quand le démon vient comme ça, il y a quelque chose qui pend de toi. Amen. Souvent que quelqu'un a des rapports avec une sorcière, elle prend quelque chose. Forcément. Le sorcier, il a des rapports avec une femme, il prend quelque chose. Si tu es tombé sur un sorcier qui a des rapports avec toi, pendant que tu es en plein rapport sexuel, il prend quelque chose de toi, ça va. Ce corps et corps se mettent ensemble. Or, lui, il a un esprit contraire, un esprit de sorcellerie. Donc la pénétration, excusez-moi, fait qu'il y a l'esprit, la sorcellerie qui commence à contrôler le corps innocent, et puis prend. Si c'est la bénédiction, ça raison. Or la Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Il prend tous vos bonheurs, maintenant vos flogos là, vous voulez venir vers nous. L'homme le dit, on vous suce. Lui il prend tout, comme l'homme le dit. Le mot, ça veut dire orange, en doula. Dis, jus. Jus de le mot. On te voit comme l'homme dit, mais on te jette. Et toi-même, tu constates ça. Que tu es comme l'homme dit. Quelqu'un vient, le mot, il te jette. L'autre vient, le mot, il te jette. Et tu comptes, tu es déjà à 200 personnes qui t'ont fait l'homme dit. Tu réfléchis. On a vu la même Mario. Zéro. Quand tu comptes sur lui, tu l'appelles Orange, bonjour. Vos correspondants ne peuvent pas toujours l'appeler Iker. Orange est sur bonjour. Il est parti. Tu es dans les rêves. Promesse. Zéro. Tu as dormi. Maintenant, tu es déjà à l'église. C'est quelle église on fait des livres? C'est où? Ça dit vous? Ça vous a dit? Ça fait j'ai vu. C'est ça. Regardez très bien. Quelqu'un qui n'a pas un esprit positif, quand tu le rencontres dans ta vie, il te dit. C'est ça, prenez la peine d'avoir le discernement. Quand vous rencontrez une personne, regardez, commencez à constater les choses. Si quelque chose, quelqu'un ne t'apporte pas une assistance spirituelle, elle ne se préoccupe pas de ta situation spirituelle. Elle ne t'aide pas. Il faut commencer à te lever de la personne. Vous savez pas qu'aujourd'hui, les grands mystiques, ils ont l'argent des grosses voitures. Ce n'est que juste pour prendre la chance des gens. Les grands mystiques, vous voyez là, les hippos qui ont les grosses voitures, qui tuent les gens, les filles, là. C'est l'argent. Les filles n'aiment pas avoir voiture. Voiture. Tu as dit quoi? Tu comptes moi, tu fais qui? Le feu, le feu. Tu vois pas le monsieur de la voiture, le feu. Changer. Tu as beau parler, dit non, le gars. Ok, le gars, il t'a dit. Ils ont tout pour attirer les gens. L'argent, tout. Dans un pays juste à côté, il y a un monsieur qui fait ça, ils l'ont mis la main sur lui. La plus belle femme. Il prend l'argent. Oh, il prend. Quand il couche avec les plans, il prend le sang pour avoir l'argent. Sortez les gens que vous ne maîtrisez pas. On te donne bien violé, 10 000. Eh Seigneur Dieu, tu iras bien les 10 000. Madame, tenez. C'est pour vous, hein? Tu es vaincu.
Après, tu vois le vaincu, là, commence à diminuer. Ça diminue. Vous dites quoi, c'est pour qui? C'est pour vous. Ah bon? Je suis chrétien, hein? Monsieur dit, ne vais pas demander ton identité spirituelle. Je dis, c'est un cadeau. Tiens. Tu es vaincu, t'es prêt. Le gars s'en va et dit, ah, monsieur, tu n'as pas donné ton numéro. Je vais mettre le bon numéro. C'est un calcul. Elle s'est dit, mais s'il m'a donné 10 000, là, s'il m'a invité lui-même. Combien? Vous avez fini un mathématique, hein? Petit bonjour, c'est 10 000 qui sort. Comme s'il est fini, bien. C'est 100 000. C'est pas Dieu qui l'a envoyé. Mon commerce là. Le commerce lui fait là. C'est le Seigneur. Comment, hein? Vois ton sang, tu vas comprendre. Et le discernement. Amen. Amen. Je vais raconter qu'est-ce qui m'apporte spirituellement parlant. Amen. Amen. Ça, c'est important. Alléluia. C'est Amen. Important, tout ça, c'est important. Amen. Amen. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Et le discernement. Si vous avez le discernement, c'est fini. Amen. C'est le discernement. De comprendre que le monsieur est plus mal aidé spirituellement. Sinon, vous quittez. Et les gens qui sont rentrés comme ça dans vos vies, ils ont tout gâché. C'est ça, moi, ma prière aujourd'hui, je prie pour que tous ceux qui ne sont pas utiles à ma vie, à mon épanouissement spirituel, à mon ministère qui dégage ma vie. Vous allez voir, ils vont partir. Ne vous plaignez pas. Si les gens quittent vos vies, ne vous plaignez pas, c'est Dieu qui est en train de les animer. Vous vous priez, Seigneur, il ne m'appelle plus. Et Dieu, il va gêner. Gêner. Il fait gêner trois secs. Le Seigneur, mais je le sais, je l'ai brisé. C'est le diable. Non, c'est le Seigneur qui l'a dégagé. Laissez les gens partir. Si vous voulez partir. Il y a les gens qui entrent dans votre vie, vous apportent le bonheur. Amen. Parce qu'il y a des gens qui doivent quitter votre vie. Amen. Il y a des gens. Pour que Dieu te bénisse, il va forcément y avoir des gens qui ne seront pas utiles. Il y a des gens qui ne pourraient pas t'accompagner dans une dimension de bénédiction. Que Dieu annulera forcément de ta vie. Amen. Or, pour que Dieu bénisse des gens, c'est des rencontres. Dieu créera des rencontres. Amen. 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 C'est de moi ma prière. Donne-moi des rencontres prophétiques. Une rencontre va me profiter. Ne profite pas, tu dégages. Amen. Amen. C'est comme ça. On est ensemble, c'est pour quelque chose. On se met ensemble pour quelque chose. Soit tu ne vois plus de la même manière, tu ne veux plus. Non, tu dégages de ma vie. C'est pour ça que je demande toujours des rencontres prophétiques. S'il y a les gens, forcément, ne vous plaignez pas si les gens partent. Bon. C'est vrai que ça fait mal la séparation. Mais souvent, c'est le plan de Dieu. Amen. Amen. C'est le plan de Dieu. Amen. Que telle personne a quitté ta vie. Parce qu'il faut qu'elle quitte ta vie. Amen. Amen. Il y a des gens qui peuvent vous accompagner dans une dimension de bénédiction. Mais il y a des dimensions dans lesquelles tu ne peux pas entrer avec toi. Donc tu es obligé de créer des choses pour que les personnes ne se séparent de toi. Est-ce que vous m'avez saisi? Amen. Amen.